Moi, je sais seulement, je me rappelle vraiment, c'est une image très claire d'avoir commencé à dessiner à 5 ans. 5 ans, un jour que j'ai eu j'étais malade, comment ça s'appelle? J'ai eu une grippe. J'étais tout petit, alors dans la chambre, ils m'ont ramené dans la cuisine et ils m'ont mis dans une petite lit. Et moi, à ce moment-là, j'ai pris un bouquin de ma mère, c'est pour les recettes, c'était un peu une agenda. Et j'ai dessiné dans l'espace de 2 jours 500 pages qu'il y avait dans le bouquin, naturellement des dessins de 5 ans. Hein, c'était plus c'était des Indiens et des cowboys. C'est ça, je me rappelle bien. Et à ce moment-là, j'ai pu arrêter. Pourquoi j'ai commencé à dessiner, je ne sais pas, c'est arrivé vraiment comme ça. Après, j'ai dessiné tout le temps en cachette de mon père qui m'emmerdait quand même pas mal pour qu'il ne dessine pas parce qu'il fallait que j'étudie les matières traditionnelles. Et naturellement, moi, je ne le faisais pas. Je faisais autre chose. Et j'ai toujours dessiné en cachette jusqu'à. Même au lycée artistique, c'est un lycée de dessin. Quand il y avait mon père, j'étais obligé de dessiner en cachette. Alors jusqu'à quand je suis allé à l'université, j'ai dessiné un peu caché.